Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de pierres de mana composites et un petit peu de tout ça. Il y a un petit temps, j'ai vu sur le forum un post un petit peu spécial parce qu'il révélait en fait des mobs qui pouvaient dropper des pierres de mana composites. En fonction des mobs, on retrouve des niveaux 50 ou alors des niveaux 60, ce qui était vraiment parfait pour moi. Et je me suis mis à les farmer ces mobs. Mais ben en les farmant, en fait, j'ai vu que certaines personnes ne farmaient qu'un seul mob ou connaissaient pas très bien l'emplacement des mobs. Donc je me suis dit, ben, je vais faire une vidéo et montrer un petit peu tous ces mobs là. Alors ça commence bien. Il y a un mob ici normalement, là où je suis, mais quelqu'un l'a déjà tué, je pense. Donc ça va être un petit peu chaud pour la vidéo pour montrer les mobs. Donc ici c'est un mob enfin qui drop des pierres niveau 50. On va aller au suivant pour voir un petit peu s'il est là. Hop, il n'est pas là non plus. Il se trouve dans ce coin-ci. On va peut-être pouvoir rattraper la personne qui farme ça. Alors. Ouh là là, un asmo. Bien. Donc là, évidemment, c'est un asmo qui recherche le PVP plus qu'autre chose. Parce que pour venir farmer ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment chercher la petite bête quoi, parce que il y a la même chose au côté Asmo. Donc ça, bah il n'y a aucune raison qu'il soit là en fait, sauf s'il veut vraiment tomber sur des ou alors le côté Asmo est rempli de farmers en fait. Évidemment, pour la vidéo, j'ai fait un petit tour pour voir si tous les mobs étaient là. Et ils étaient là. Donc, il est venu pendant que je refaisais. Que je relançais la vidéo, parce que j'étais pas sûr. Enfin bon. Donc là, on avait déjà vu un. Mais je referai un tour des mobs, là, parce qu'on passera au mob 60. Donc, ici, cette statue, il n'y a que 3 mobs qui drop. Des sacs. Donc celle que j'ai tuée là-bas, celle-ci et une autre un peu plus bas. Ah bah non, j'en ai raté. Ok, c'est pas très grave. Alors là on va se diriger vers les mobs niveau 60 qui vont drop des sacs niveau 60. J'espère que cet asmo ne va pas se remontrer, parce que là je l'ai pris en traître, mais comment dire, une fois sur ses gardes, bon, hein, classe de la seconde chance. Même si, bon, avec les changements qui sont apportés, c'est plus aussi abusé, mais je sais pas comment est-ce qu'il est stuff. Alors ici on se retrouve avec les mobs qui vont dropper des sacs qui contiennent des indians, je sais pas comment tu dis ça, indian gold, et puis des sacs, soit des sacs composites, soit des sacs qui contiennent des pierres de mana vertes. Donc on regarde, donc ça c'est pour l'indian gold, et ça c'est pour les composites. Normalement, on devrait voir un petit peu les deux types de sacs différents. Donc ça, c'était le premier mob. On se dirige vers le deuxième. Donc là, à chaque fois, il y a 3 mobs. Donc les dracans. Alors le deuxième est là. Bon, ici on peut passer avec celui-là, il va pas nous poursuivre. Alors lui aussi, on va lui dégommer sa
Ouais, on va le dégommer, on va dire. Voilà. Et donc on a à chaque fois on a deux sacs. Hop. Celui-là, il est tout le temps là, 100%. Et celui-là, bah, c'est, je sais pas quel est le pourcentage. Le pourcentage de drop. Quant à ça. Alors ici, il faut éviter d'aggro tous ces mobs. Si t'en aggro un, en fait, ils sont un petit peu solidaires, ces enculés. Ils appellent, enfin, c'est pas qu'ils appellent, hein, mais toute la zone est aggro, quoi. Franchement, c'est un petit peu abusé. Donc celui-là, c'est le troisième. Troisième drinquant. Et là, j'ai vraiment une chance, pas possible, parce que à chaque fois, j'ai eu un sac de composite. Bon, faut pas non plus. Enfin, faut pas croire que parce qu'on a un sac de composite, on va avoir la pierre de mana qu'on veut. Il y a 50. D'après un compte que j'avais fait, il y avait un calcul. Il y a 50 types de stigma composite. Alors, pour tomber sur celle qu'on veut, franchement, il faut avoir de la chance. Alors, voilà quelqu'un. Hop, j'aimerais bien le marquer, mais c'est déjà barré. C'est pas très grave. Donc là, c'était un des petits vers de terre. Là, j'en ai eu un. Le deuxième. Alors, le deuxième se trouve par là. Évidemment, il vient d'être tué. Le deuxième est ici. Enfin, c'est celui-là. Hop, il se trouve là où je suis en train de sauter, là en ce moment. Et le troisième se trouve dans le coin. Dans le coin. Là-bas. Enfin, là-bas. Je montre avec la flèche, mais vu qu'elle n'apparaît pas sur l'enregistrement. Donc, c'est celui qui vient d'être tué ici. Ou là, je pense. C'était ici. Donc, le mob se trouve là. Ce qui fait un total de 6 mobs pour les composites niveau 60. Donc là, il n'y a que ces mobs-ci sur la carte de enfin, de Signia, ouais, si tu veux. Je connais pas du tout le nom en français. Ça serait. Oula, il y a vraiment pas. Enfin, y a du monde, hein. Enfin, il y a du monde. Il y a du monde, il y a deux personnes et un asmo. Ouais, non, d'habitude. Enfin, quand je farm, c'est le matin. Et y a personne. Il y a juste un glad qui farm de 6h à 10h, je pense. Ou parfois même jusqu'à midi. C'est le seul hardcore farmer que j'ai vu ici. Sinon, bah, les gens viennent de temps en temps, ils farment. Donc c'est pas mal. Alors ici, enfin, on vient de finir les 6 mobs qui drop les sacs de composite. Je vais en ouvrir un juste pour voir. Hop. On voit bien que c'est une composite niveau 60. Bon, elle sert à rien. Mais bon, on sait jamais. On va retourner là où on avait rencontré l'asmo et voir un petit peu. Là, on y retrouve des mobs niveau. Enfin, je connais pas le niveau des mobs, mais quand à chaque fois que je dis un mob niveau 50 ou niveau 60, je parle du sac qu'il va laisser tomber, qu'il va drop. Donc là où on se dirige. Il y a 6 mobs qui drop des sacs avec des composites niveau 50. Bon, certaines personnes crachent un petit peu dessus. Perso, quand je farm dans cette zone, bon, il y a 6 mobs et ils ont un temps de repop de 10 minutes. C'est énorme. Et je vais pas tuer 6 mobs en 2 minutes et attendre 8 minutes à ne rien faire. Donc je fais un petit peu toute la zone. Je vais mettre les lieux sur la carte, comme ça vous avez une petite idée plus précise des positions des mobs. Alors, pour la position des mobs,
C'est pas du tout moi qui ai trouvé ça. J'ai vraiment trouvé ça sur le forum. En me baladant, j'ai vu post. Ouais, j'ai vu post ouais, pour le titre du post. Et il disait spot de mana. Punaise, je me suis dit spot de mana, c'est impossible dans Aeon. J'ai cliqué dessus. Et là, franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. Oh, punaise. Le vieux truc. Très bon film. La caverne d'Ali Baba. Ouais, non, c'était un truc de malade. Donc ici, il y a un premier mob. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Donc ce mob, il drop un sac vert de pierre de mana niveau 60. Donc par exemple, pume niveau 27, machin, tout ça. Et un sac de composite niveau 50. C'est ce sac-ci. Bon, c'est pas maintenant qu'il me l'a donné, mais c'était un des autres mobs. Donc là, on voit bien une composite niveau 50. Donc ouais, je suis tombé sur ce poste-là. C'était un truc de malade. Et celui qui l'avait fait, si je me rappelle bien, c'est Drard. Drard, je pense, son pseudo. Alors le deuxième mob ici, c'est celui-là, qui drop, les autres ne drop pas du tout. Donc franchement, cette personne, je la remercie. Je n'ai même pas laissé un remerciement sur son post initial. Mais je profite de ce moment pour le remercier, parce que franchement, non seulement il t'explique où se trouvent les mobs, mais en plus, il a fait un fichier, enfin une liste de. Enfin, je sais pas du tout. Je sais pas du tout c'est quoi le nom du. Enfin, il a localisé en fait les mobs grâce à une écriture spéciale, je sais pas quoi. Mais en tout cas, il suffit juste de copier-coller ce qu'il a écrit dans Shift M dans le mémopad. Et tu cliques directement dessus et ça te donne la position du mob. Et franchement, c'était un gros travail. Il a fait ça côté Ellie et côté Asmo. Je crois que je serais passé à côté de ce poste s'il n'y avait pas un type qui se plaignait. Ouais, parce qu'à chaque fois il remontait, vu qu'il se plaignait, il postait un message et ça faisait remonter le sujet en première position. Et donc un jour je suis tombé dessus. Je crois que j'avais genre un mois de retard ou je sais pas, hein, mais. Punaise, bah merci à cette personne qui s'est plainte à plusieurs reprises. Mais en tout cas, je remercie Drard pour cette initiative. C'est un Asmo, il l'a fait côté Asmo et côté Ellie. Là, je me répète un peu, mais ça demande énormément de travail. Donc là, le mob. Donc là, c'est le troisième. Je suis passé sur les deux autres. Pendant que je parlais, donc. Alors, il donne un sac indien et puis un sac de composite, mais niveau 50. Alors, l'indien que les mobs qui drop des objets level 50 donnent, les indiens sont vraiment. Enfin, ils sont moyens, quoi. Si on a la possibilité de faire les mobs niveau 60, je vais retourner pour voir un petit peu. Ça sert à rien de garder les sacs de l'Indian ce sac-ci. Mieux vaut le sac du plus grand. Donc ici, Greater. Alors, je sens un Asmo. Enfin, c'est pas que je sens un Asmo. Je sais pas quelle classe. Punaise. Alors, donc c'est un Nasa. Un Nasa. C'est un Rodeur, mais voilà. Je sais pas. Je sais pas, je le tue, je le tue pas. Je sais même pas si je peux le tuer, mais bon. Hein. En tout cas, il se lâche sur moi. Ce qui est une bonne chose. Il est peut-être un petit peu frustré. Mais c'est un petit peu. J'aime pas faire ça. Parce que bon, je vois pas le challenge. Mais bon. Il y a certaines personnes qui s'amusent à tuer des gens plus faibles que soi. Ou même. Des gens
AFK. Ouais, enfin bon. Ça doit être drôle ou amusant de le faire. Alors, il a ressuscité. ouais, bah, on fait ta vie, j'ai envie de te dire. Alors, donc ici, bah, on revient sur les mobs. Bon, je vais pas me mettre à les farmer, hein, parce que je vais juste montrer le truc, la position des mobs. Donc là, bon, c'est ce grand sac. Il donne un indien niveau. Un niveau 50, un gold, je vais en ouvrir un. Tadam, et bam. Enfin, bam, bon. Je sais plus, il y a 8 ou 10 indiens différents. Enfin, ça fait une barre comme ça, plus 1, ce qui fait 10, je pense. Et donc, ouais, mieux vaut les farmer eux que ceux des level 50. Mais level 50, c'est quand même pas mal parce que ça te donne des pierres de mana normales. Enfin, des vertes. Bon, pour la magic boost, puissance magique et tout ça, c'est vraiment parfait. Ou même HP 95, hein, pour quelqu'un qui vient de. Pour quelqu'un qui vient de passer 65 ou qui est en train de leveler, c'est vraiment parfait. Les mobs sont pas très forts. Se faire une petite session de 3 heures sur là où je vais montrer maintenant, c'est vraiment parfait. Tu te fais des gemmes tranquilles. Et donc tu peux gemmer ton stuff tranquillement. En plus, il y a eu un gros impact. Enfin bon, quand on regarde le post sur le forum, bon, il y en a qui crient, il y en a machin. Ici, c'est un petit peu mort sur Kalindi, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui farment. Enfin, il y en a, hein, mais c'est pas ce que je lis sur le post du forum. Parce que là, on dirait qu'il y a des gens qui s'organisent pour être vraiment à une position. Ils se mettent à 10, à 40 milliards, je sais pas. Et ils attendent dès que le mob repop, ben, ils le tuent. Ici, on est vraiment tranquille. Mais il y a eu un gros impact, comme je disais. C'est que ben, il y a eu une grosse baisse des prix, quoi. Par exemple, une composite puissance magique 27 et précision magique 7. Avant, c'était 45-50 millions. Et maintenant, c'était redescendu à, je sais plus, en tout cas, c'était moins de 10 millions pendant un moment. Et puis, j'en ai revu à 20-23 millions. Donc, ouais, non, vraiment, c'est une bonne chose. Alors, ici, on retrouve alors des mobs niveau 50. Enfin, c'est pas des mobs niveau 50, hein, c'est les sacs qui drop qui sont au niveau 50. Donc, celui-là. Alors, ce type de monstre, bah, ils vont dropper la même chose. En plus, ils donnent ces tessons qui se revendent bien. Donc, on vient de choper un mob ici. J'ai fait une coupure en fait pour activer la souris. Parce que quand je dis par là, alors que la souris n'est pas montrée. Donc, ici, il y a un mob qui drop des trucs niveau 50. L'autre. Alors, l'autre se retrouve. Bon, il y en a un ici. Celui-là, Slowthorn Overlord. Lui aussi, il drop. Donc, il faut bien faire attention à leur nom. Hop, un sac de composite. Et le troisième se trouve ici. Alors. Boum. Donc, voilà. Les trois sont faits. Alors, si je me rappelle bien. De la position de l'autre, ça fait un petit temps que je suis pas revenu ici. Ouais, c'est lui, c'est Furius qui se trouve ici. Alors, lui aussi il drop, hop, on prend tout. Oula, on prend tout. Hein. Ah, et puis la première fois que je suis venu farmer, je connaissais pas bien les mobs, j'étais venu un petit peu comme ça en exploration pour voir. Et j'ai utilisé ce pet-ci, celui qui ramasse les objets une fois que les mobs sont morts. C'est une très mauvaise idée parce que les sacs de composite et enfin les sacs en général, ces sacs-ci en tout cas, ne sont pas pris par le mob.
Et donc je tournais en rond en me disant punaise, bah, il drop pas le mec, il a raconté n'importe quoi. Et ouais, non, enfin, quand ma con, évidemment. Et plus tard, je me suis dit, bon, je vais appuyer sur C pour voir un petit peu. Et là, évidemment, se trouvaient les sacs. Je me suis vraiment retrouvé comme un idiot. Et j'ai fait demi-tour pour essayer de choper les mobs avant qu'ils disparaissent. Bon, j'ai pu en choper 2-3, mais les autres avaient déjà disparu. Enfin bon. Le gros loser, quoi. Donc là, on vient de faire 3 mobs Virago. Les autres se retrouvent un peu plus bas. Dès qu'on va finir les 6 en bas, je vais prendre le... Enfin, pas prendre le temps, mais ouais, je vais prendre le temps de mettre les liens sur la carte. Et enfin, comme ça, vous pourrez faire une pause pour voir où est-ce que se trouvent vraiment les mobs. Et de toute façon, je laisserai un lien vers le poste de Drard. Pour que vous puissiez copier-coller le grand travail qu'il a fait, en fait, dans votre notepad, donc dans votre bloc-notes. Donc ça... je vais pas le mettre dans le lien de la vidéo, parce que je lui ai pas du tout demandé. Et donc, soit je vais lui faire signe sur le forum et voir si ça lui plaît, enfin si ça le dérange pas que je mette les liens. Enfin, de mettre dans la description le travail qu'il a fait, en fait. Comme ça, vous avez qu'à copier directement. Je me connecte rarement avec mon compte sur le forum. Donc, mais je vais essayer de lui faire signe. Alors, ici, on a ce mob-ci qui drop. Hop. Par contre, là, j'ai eu qu'un seul sac. Donc, je sais pas. Les mobs 50... Bon, normalement, avec les mobs 60... Enfin, normalement, c'est pas normalement, c'est tout le temps. C'est une chance de 100% de choper deux sacs. Donc, celui de l'Indian, il est... c'est sûr à 100%. Et puis l'autre, bah, c'est... je vais pas dire une chance sur deux, parce que c'est pas une chance sur deux, mais... mais bon, hein, c'est vraiment une chance sur deux, quoi, d'en avoir un. Alors, je cherche l'autre mob. Je vais peut-être couper la vidéo pour le retrouver d'abord, parce que sinon je vais tourner en rond comme un con. Hop. Ok, bah c'est lui apparemment. Ouais, non, ça fait vraiment un petit temps que j'ai pas fait cela, donc je suis pas du tout sûr. Pourquoi j'utilise pas les liens que j'ai dans mon bloc-notes? Bah, c'est pour éviter de mélanger un petit peu tous les mobs. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième se trouve en haut de cette colline. Donc on contourne ça. On va de l'autre côté. Donc je disais, ouais, je vais demander à Drart si ça le dérange pas que je le mette dans la vidéo. Comme ça, c'est plus simple. Et enfin, j'aime pas prendre le travail de quelqu'un d'autre et me l'approprier, en fait, donc je préfère lui demander avant. Hop. Alors, donc ça, c'est le troisième. Et l'autre qui me colle aux fesses, il est parti. Et donc là, deux sacs. On dirait que le taux de loot sur ces mobs 50 sont un peu plus bas. Bon, ben, tant qu'il y a les sacs, j'ai envie de dire les tessons, c'est sympa, mais... Enfin, c'est toujours des quinas, quoi, donc on crache pas dessus. Alors, là, je vais faire une pause. Allez, on reprend. Donc, évidemment, j'étais pas sûr pour le mob. J'ai fait deux pas devant moi et il était là. Donc, c'est celui-ci. Wild Blue Moss. Bon, en français, je sais plus du tout, mais en tout cas, son nez, il est plus long que les petits là-bas qui se baladent. Alors, c'est celui-là qui drop. Encore une fois, il y en a 3. Donc, faut pas faire le travail à moitié. Alors, bah, je vais pas couper à chaque fois pour trouver le mob. On va explorer ça en même temps, hein, et puis on va voir.
grâce au nom, ben, on est censé retrouver. Donc voilà le deuxième. Alors, boum, boum, boum et boum. Ok, non, un seul sac, c'est déjà pas mal. Le troisième se trouve un peu plus bas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai montré les ces deux endroits? C'est parce que ici, on a 12 mobs. Il y a 12 mobs en tout, pardon. Et donc, par 10 minutes, bah, ça te fait 12 mobs par 10 minutes. En une heure, bah, tu as 6 repop. 12 fois 6, bah, ça fait 72. Donc, 72 sacs d'indians et puis 72... Attends, faut pas que je fasse n'importe quoi comme calcul. Donc, on a... C'est pas le plus important. Donc, 72 mobs. Ouais, c'est ça. Non, c'est 72 sacs. Finaise. Ouais, il faudrait que je revoie mes maths, moi. C'est pas très grave. Je ferai le calcul peut-être plus tard. Je le mettrai quelque part sur le... sur la vidéo. Alors... Les mobs qui sont ici, je connais pas leur position, donc ça craint un peu. J'utiliserai le... Bah, je vais utiliser ça. Le notepad. Alors. Bah, au début, j'utilisais where, la commande where et puis suivi du nom du mob. C'est plus simple quand tu débutes, en fait. Parce que tu sais pas où est-ce qu'il se retrouve, même si t'as la flèche qui te dit où est-ce qu'il se trouve, ben... Bah, enfin, c'est beaucoup plus pratique, et tu sais que quand un repop, ben, la flèche va changer de direction. Donc, enfin, c'est ça que j'utilisais avant. Mais bon, après avoir tourné 2-3 fois, on n'en a plus besoin, parce qu'on connaît vraiment... Enfin, on connaît la position des mobs, quoi. Alors, ben, je vais commencer... Alors, donc ici, ça, c'est les trois chevaux. Alors, ici, c'est les Vortils, donc c'est les trois mobs qu'on vient de tuer. Les Furious là au nord et puis les Overlords, ce qui ressemble un petit peu à... Non, je vais rien dire. Donc ici on voit bien Kenoa et donc la position des trois mobs. Boum boum boum. Je vais vraiment essayer de mettre de pas de convaincre hein, parce que je pense pas que ça va le déranger, de mettre ça en lien. Comme ça, ça va éviter tous pause et puis je regarde où est-ce que ça se trouve. Donc Kenoa, au sud, ben, il y a 1, 2, 3. Et puis 1, 2, 3 pour les petites bestioles. Alors, pour les mobs, 50 de l'autre côté. Donc à chaque fois, je montre par rapport à un endroit d'où on peut se TP en fait. Donc ici, le premier mob, il se trouve ici. Dans la fontaine. Après la fontaine, il y en a un autre ici et puis un autre là. Hop. Voilà, comme ça, si jamais je lance ça. Donc, 1, 2, 3. Et puis on passe la petite barrière ici. On se fait celui qui est là. On avance un peu. Il y a celui-là. Ouais, c'est ça. Et puis, ici, dans ce coin-là. Ce qui fait les 6 mobs. Donc là, je recadre un petit peu. 1, 2, 3, et puis les 3 qui sont là. Ok. Pour les level 60, alors il faudrait que je zoome bien pour que je vois. Ok. Donc, enfin, j'ai juste besoin d'un point de repère en fait. Donc il y en a un ici, un là, et puis un là. Donc ça, c'est les dracans, niveau 60. Oula. Niveau 60. Voilà. Et puis pour les... Enfin, ceux que j'appelle les vers de terre, les xylos, je sais pas quoi, là. Donc il y en a un... Je vais effacer ça. Il y en a un dans la petite... dans la petite maison. Il y en a un ici. Et puis... et puis dans le coin, mais je sais plus vraiment... Où est-ce qu'il se trouve? Et je vais regarder le dans le pad. Ok. Euh,
Ouais, c'est bien ça. Ah, ok. Donc, ouais, non, là ça fait un peu beaucoup de flèches. Donc, ici, là, là, devant la petite maison, en fait, et puis ici dans le coin. Donc, voilà. Alors, il y en a d'autres. Par exemple, ici, il y en a deux. Ici, il y a deux centaures. Et là, sur le chemin du TP, ici. Bon, eux, j'en parle pas parce ils sont vraiment isolés et c'est pas pratique de les mettre dans une route. Donc, si vous voulez vraiment farmer, il y a ça, ici. Niveau 50, que du niveau 50. C'est un peu délaissé par les gens, mais franchement, moi je trouve que. Enfin, c'est pas à être délaissé en fait, tout simplement. Et ici, ben. Donc, ça fait 12 mobs aussi. Et en 10 minutes. En 7 minutes, en fait, il y a moyen de tuer tous ces mobs et de revenir à son point de départ. Moi, je commence par là, je descends, hop, 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 et puis je remonte avec mon nuage. Évidemment, avec ou sans nuage, avec un bon DPS, enfin un DPS correct, il y a moyen de faire ça en moins de 10 minutes, ce qui permet de revenir à la position initiale. Alors, je dis ça parce que j'avais montré à quelqu'un qui farmait les mobs et enfin je lui avais montré les mobs ici en bas parce que lui ce qu'il faisait en fait il était il restait là et il farmait celui-là. Je crois qu'il a découvert ça tout seul en fait et il restait là ben, pendant 10 minutes. Moi je faisais mon tour et puis je le voyais là, donc je me suis dit punaise, c'est un petit peu abusé là, donc je lui ai parlé et ouais, bon ben c'était pas trop ça. Et après que je lui ai montré les 6 qui sont ici en bas, bah, le mec il tuait les 6 qui sont là dans l'ordre et il restait là pour attendre le repop de celui-là et repartir dans l'autre sens. Bah non, ça c'est la mauvaise méthode. Avec des gens qui ont des timers à la seconde près, bah non, faut pas perdre de temps quoi. Donc tu retournes à la position du premier mob que t'as tué et puis là. Voilà, tu repars dans l'autre sens. Enfin bon. Bah donc je crois que je vais m'arrêter là. Ou alors je sais pas, aller ouvrir 2-3 sacs. Pour voir un petit peu. Enfin j'en ai déjà ouvert mais je sais pas. Juste pour faire le malin en fait et dire que j'ai farmé des tonnes et des tonnes de sacs. Ah oui non voilà. C'est ça que je voulais dire. Je viens de retrouver ma pensée. Le type qui se plaint. Ouais, bon, ça c'est chez moi. C'est très très bien décoré. Juste à bouffer. Ce dont on a besoin, c'est tout. Le type qui se plaint qu'il peut pas farmer son business et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Il faudra un petit peu arrêter de penser à soi-même. J'ai farmé ces mobs depuis que je les ai découverts. C'est une vraie drogue ce truc, tu peux pas t'arrêter. Je crois que j'ai fait 2 matinées ou un truc comme ça. Si on calcule le nombre de mobs que j'ai tués de niveau 60, ben, vu que le nombre d'Indians est à 100%, donc là on va regarder un petit peu. J'ai 600 sacs et j'en ai ouvert. Je sais plus, une cinquantaine. Et là j'ai encore 90 et quelques. Donc on va dire que j'ai tué, hein, on va dire que j'ai tué 700 mobs. 700 mobs. Sur les 700 mobs, j'ai eu quoi? J'ai eu ici j'en ai 300 des comme ça. 397, 400. Donc sur 700 mobs, j'ai eu 400 sac de mana. Évidemment, donc 700 moins les 400 de mana, ça fait 300 des sacs bleus comme ça qui donnent les composites. Donc sur 300 sacs bleus, j'ai eu 5 magic boost et HP 47 sur 300. C'est un petit peu abusé. Bon,
bon, il faut avoir de la chance hein, et tout ça. Mais tu peux pas te dire, je vais baser mon business, je vais aller farmer des sacs. Je vais aller farmer des sacs pour vendre spécifiquement ce style de pierre composite. Non, ben non, faut arrêter de rêver. Et donc, s'il y a plus de personnes qui farment, ben, tu as plus de chances de tomber sur la pierre qui t'intéresse. Il suffit juste d'échanger celles qui te servent pas. Même si tu as 1000 persos, bon, il faut garder un perso principal, hein, mais. Enfin, non. Vraiment, il y en a qui gueulent un petit peu à gauche, à droite, pour rien. Donc là, enfin, j'avoue que ça m'avait un petit peu saoulé, même si on peut comprendre son point de vue. Il a découvert un truc, il est. Il y est accroché. Bon, c'est vrai qu'au début, quand tu vends, enfin, quand tu vois sur l'HDV, les pierres sont à 50 millions et toi tu viens, ben, t'en chopes 10, on va dire, tu les vends à 40, ça part comme des petits pains, c'est vite parti. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit-là. Bah oui. Tu te fais 10, 40 millions, bah ça te fait 400 millions, ouais, 400, ouais, 400 millions. Donc, ouais, non, c'est clair que, bon, enfin, moi j'en ai farmé des tonnes, j'ai pas plus d'argent ou quoi que ce soit, hein. Enfin bon, j'ai peut-être pas vendu les bonnes pierres. Donc, ouais, non, c'est vraiment une bonne chose. Je le dis encore, merci Drard, pour le travail qu'il a fait en fait. Parce que bon, certaines personnes savaient, je pense, ils avaient découvert ça tout seuls, ou alors ils sont allés dans d'autres sources pour trouver ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est sur le foufou. Franchement, j'ai été content de me connecter ce jour-là. Donc voilà. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à rajouter. Non, c'est que du bé enfin, ouais, c'est que du bénéfice en fait. Tout le monde en profite, enfin tout le monde en profite. Ceux qui farment plus, évidemment, vont en profiter plus. Et tant mieux pour eux. Mais maintenant, on a plus des pierres raisonnables. Par exemple, la Magic Boost, là, j'en ai pas. La puissance magique, punaise, c'était 5 millions. Après, enfin, avant, c'était même monté à 10 millions pour un plus 28, quoi. C'était abusé. Donc maintenant, c'est redevenu à des prix raisonnables. Merci aux events aussi. Hein. Maintenant, on a des Magic Boosts à 1 million. Pour nous autres magiques. À côté de ça, les physiques, eux, bon, hein, ils ont leur critique 19 à 200 000. Et pendant ce temps-là, nous, on paye 20 fois plus cher. Enfin bon, bah, je vais terminer la vidéo là-dessus. C'est un petit peu long, mais bon, ça me. C'est pas trop grave. Donc, merci d'avoir regardé et à bientôt.